ABC. A, B, C est un triangle rectangle en A, tel que AB égale 3 cm et AC égale 4 cm. M est un point quelque part sur le côté BC. On note BM avec X. Et x est compris entre 0 et 5. On se demande bien pourquoi. Par M, on trace les perpendiculaires AB et AAC. Elle coupe AB en P et AC en Q. Bien. Première question. Petit a. Justifier que BC égale 5 cm. Comment justifier ça? BC, 5. Le triangle ABC est un rectangle. On connaît deux côtés. On peut trouver le troisième côté avec le théorème de Pythagore. BC carré égale AB carré, 9, plus AC carré, 16. Égale 25. Donc BC égale 5 cm, parce que 5 au carré égale 25. Bien, petit b. Démontrer que APMQ est un rectangle. On sait depuis la cinquième qu'un quadrilatère qui a 1, 2, 3 angles droits, ben le quatrième est aussi droit. Donc c'est bien un rectangle. C'est fait. Pour le petit c, prouver que BP sur 3 égale BM sur 5 égale PM sur 4. Bon, les égalités de ces rapports, ça sent le théorème de Thalès. Mais bien sûr que c'est Thalès. BP, BM, PM. BP, BM, PM. C'est les côtés de ce petit triangle. 3, 5, 4, 3, 5, 4, c'est les côtés du grand triangle. Est-ce que ces deux triangles sont en configuration de Thalès? BPM et BAC. Et bien sûr, parce que PM est parallèle à AC. Et pourquoi PM est parallèle à AC? Et parce que tous les deux sont perpendiculaires à AB. Voilà, donc théorème de Thalès, théorème Thalès, BP sur BA, BP sur 3, égale BM sur 5, c'est-à-dire BM sur BC, égale PM sur AC. Donc, c'est vrai, grâce au théorème de Thalès. Ça, c'était donc le 1. 2, petit a. En utilisant la question de tout à l'heure, exprimer BP et PM en fonction de x. Mais tout à l'heure, on avait que BP sur 3 égale BM sur 5 égale PM sur 4. Exprimer BP. BP et PM en fonction de x. Mais qui est x? X est BM. BM. Donc ici, on peut écrire BP sur 3 égale X, c'est-à-dire BM sur 5 égale PM sur 4. Le produit en croix, ici, on trouve que BP égale ça fois ça divisé par ça, 3X sur 5. Bon. Et PM, ici, produit en croix, PM égale ça fois ça divisé par ça, 4x sur 5. Bien, 2a c'est fait. Maintenant, il faut exprimer AP, c'est ce qu'ils veulent, AP, ça c'est le petit b. AP, AP en fonction de x. AP, mais c'est qui AP? Ah, AP,
on connaît pas, mais AP est égal à AB moins BP, qui est égal à AB, c'est 3, moins BP, BP c'est ça, 3x sur 5. Allez, même dénominateur, 15 sur 5, c'est le jour de Nouvel An, ça fait boum, moins 3x sur 5, égale, bon, 15 moins 3x sur 5. Voilà, on a exprimé AP en fonction de x. Petit c, pour quelle valeur de x, x égale combien, afin que APMQ soit carré. Ah, question intéressante. APMQ carré. Carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que PM soit égal à AP. Bien sûr, je rappelle, APMQ, c'est un rectangle, mais si deux côtés consécutifs, c'est-à-dire PM et AP, sont égaux, alors c'est un carré. Mais alors, à quoi ça revient cette égalité? PM égale AP. PM, c'est ça. 4x sur 5 égale AP, c'est qui? AP, AP c'est ça. 15 moins 3x sur 5. PM, 4x sur 5, égale AP, qui est 15 moins 3x sur 5. Donc, cela équivaut, les dénominateurs sont les mêmes, les fractions sont égales, donc les numérateurs sont égaux. 4x égale 15 moins 3x. Donc, 7x égale 15. Donc, x égale 15 sur 7. Comme vous constatez, voilà la valeur pour laquelle APMQ est carré. Allez, pour les amateurs de décimales, ça fait combien ça? Ça fait environ 2 et quelques. Et à propos du fait que x est compris entre 0 et 5, vous avez compris pourquoi? Bien sûr, 5, c'est la longueur du côté BC. X peut varier entre 0 quand M est en B, et quand M se déplace jusqu'en C, BM devient 5. Évidemment, 2, quelques, c'est une valeur comprise entre 0 et 5. Et on arrive au petit d. On note A de x, l'aire en centimètres carrés du rectangle APMQ. Le rectangle en général, hein? Ce n'est pas le point précédent quand ce quadrilatère était carré. Alors, quelle est l'aire de ce rectangle? Évidemment, longueur AP fois largeur PM. AP, on l'a déjà calculé tout à l'heure. AP, 15 moins 3x sur 5. Et PM, PM on l'a calculé aussi, 4x sur 5. Évidemment, on peut réduire, on peut multiplier, rendre cette R plus intéressante, multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Distributivité, 15 fois 4x, ça fait 60x, moins 3x fois 4x, moins 12x carré, sur 25, qui est égal, évidemment, 60x sur 25 moins 12x carré sur 25, qui est égal, évidemment, si on divise 60 par 25, vous avez calculé combien on fait à la calculette. Je vous dis moi, ça fait 2,4. Donc 2,4x, ça divisé par ça, c'est 2,4, moins 12,25 par 25, un calcul de tête. Si on divise par 100, ça fait 0,12 multiplié par 4, 0,48. Voilà l'expression de A de X. C'est une drôle d'expression. En seconde, l'année prochaine, on va étudier cette fonction de second degré. Donc, les valeurs de X. Ça, c'est OX. OX. Pour lesquels l'aire
est égal à 1 cm carré. Je trace l'horizontale à la hauteur de 1, sont environ 0,5 et environ 4,5. Et la valeur de x pour laquelle r est maximale, c'est ici. Maximum, c'est, je crois, à peu près 3. Et alors, la valeur de x respective, c'est environ 2,5.